Envie de m'attarder sur ce film-là parce que je vous avoue, à moitié endormi. Comme je pouvais vous dire, j'avais l'impression de voir un film néerlandophone. Pourtant, il y a des bons films, hein, mais celui-là n'était pas bon. Alors, pour le troisième film, et avant que je commence la description de ce troisième film, je vais continuer sur la base de la première partie de la vidéo, ce qui en soit le test de la GoPro et une balade à Comblain. Voilà, donc je vais arriver à l'endroit que je préfère le plus et l'endroit qui m'aide à me reposer, me relaxer. Comme aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente, pas en festival ou en déplacement. C'est tout près de chez moi. Voilà, je vais vous montrer l'endroit qui est vraiment magnifique. Hop. Et voilà. Regardez-moi ça, les amis. Malheureusement, sur la GoPro, je ne sais pas faire de zoom ou je ne suis pas du tout au courant. Donc si quelqu'un regarde la vidéo et qui pourrait m'expliquer, ce serait très gentil. Voilà, regardez-moi ça. Et j'entends un bruit. Bonjour. Comme vous avez pu constater, je suis pas tout seul, mais c'est normal, il fait tellement beau. Si vous êtes intéressé par la plongée de la vue, vous voyez la crête là-bas? Oui. On peut y accéder d'un peu plus loin du chemin. Oui. Vous avez déjà été? Oui, oui, j'habite Comblain, mais je fais une petite vidéo en même temps. Ouais. C'est vraiment magnifique. Hein. Oui, hein. L'air de rien, si on se rend. Faire un truc qui serait intéressant, enfin, moi je trouve que ce serait intéressant, c'est la prendre maintenant, depuis début octobre. Ah oui, 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 pour changer les saisons, mais j'y ai pensé aussi. Faites de la réalisation ? Non, pas spécialement, c'est en amateur, comme ça. Ça m'intéresse ? Oh, pas spécialement, c'est gentil. Parce que c'est mon métier. Ah oui, parce que là-bas, il y a la carrière et il y a un lac, en fait, qui s'est creusé. Et puis loin, sur Poulsereau aussi. Apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. Sinon, je l'aurais donné parce que le truc qu'on va devoir faire pour filmer ici, c'est faire des repérages. Oui. Mais vous les avez déjà fait. Ah oui, oui, oui. Ce qui fait qu'il existe des bandes quelque part. Enfin, ça, c'est les vieux, ça. Oui, oui. Ben là, c'est parce que j'ai acheté une GoPro, mais à mon avis, je vais acheter une petite caméra aussi. Parce que je vais partir au Japon, et c'était pour ça. Ouais. 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 Et là, c'est des tests. Si je pouvais accéder à votre contact mail, je vous enverrai les coordonnées de ma boîte et on verra si on peut monétiser ce que vous avez pris comme film. Oh, oui, par exemple. Ouais. J'ai un bic ici. Moi, j'ai toute façon que d'avoir. Nous, il faut deux opérateurs. Oui. Donc, c'est 255 euros par opérateur par jour, plus la location du matériel. Et je pense pas travailler avec des objectifs Zeiss. On devrait tourner à peu près à 1000 euros la journée. Ce que vous avez fait ne sera certainement pas de la même qualité, mais c'est déjà une démarche qui nous permettra de nous réduire le champ filmable. Ouais. Et donc d'économiser. Sur cette partie d'économie, peut-être une partie peut vous être dévolue, enfin si vous êtes intéressé. Ou pas spécialement. Comme je pas dit, de rien du tout, un gros bisou et un bon géré. Ça va, ça va, ouais. C'est pas moi qui donne le gros bisou. Ouais. Jeune fille blonde, 1m72, ça vous va? Ok, ben je vous dis. Donc oui, j'explique en même temps parce que je suis tombé sur un monsieur et au milieu des bois, voilà, je vais faire ma clé. Oui. Ah, c'est écrit en minuscule. Ah. Oh, c'est ART. A-R-T C-O-O-R C-O-O-R point officiel officiel
commercial @gmail.com. @hotmail.com. Gmail. Gmail. On a tout mis en Gmail. C'était la folie. J'ai procuré un projet. Quand je sortais, on avait notre Skynet. Ah ouais. Ouais, mais enfin, personne ne s'y retrouve, quoi. Ouais. Pour recevoir, quoi. Vous rentrez chez vous ce soir et avant de vous coucher, vous faites voilà, je m'appelle Angèle, négocions, gna gna gna. Ok, ça va, ça marche. Enfin, peut-être pas gna gna, peut-être pas. Ouais, non, il faut quand même un peu expliquer. Ouais, voilà. Moi, je m'appelle Michel Rabin et je suis en train de direction de chronique à travers. Oui. GSM. Et un des trucs qu'on voulait faire, c'était de faire une sorte de reflet des goûts, le caractère des gens dans une région et la forme géographique, accro-géographique de la région. Ah oui. Peut-être que ça aurait plus à mon cousin, ça, parce que lui, il est dans l'horticulture, mais... Ah, ça peut être intéressant aussi, oui. Mais là, pour le moment, il est parti, il est au Maroc. On n'a pas le budget. ouais. Non, c'était un petit CM. En fait, c'est un shoot, je crois que c'est Short Brut qui produit. Donc, eux, ils produisent le teasing. Donc, avec ce qu'on va faire, on va peut-être pouvoir aller trouver des producteurs si on est bon. Ah ouais. Parce qu'on aura budget 5-6 000 euros à tout casser, quoi. Donc on va essayer de faire ça pour leur dire donnez-nous plus de sous. Bah ouais, pourquoi pas, on sait jamais. Et nous on sait comme ça qu'on se fait connaître. Plus de sous, c'est comme ça. Ah ouais. Bah j'essaierai de lui en reparler, je reviens dans une semaine. Regardez comme déjà esthétiquement c'est comme ici, ouais. C'est juste beau. On n'est pas très loin des Ardennes hein, en plus. On est techniquement on est à 150 mètres des Ardennes. Je pense qu'on est aux Ardennes une fois qu'on est à Wamont. Ah oui. C'est une question de sol, si j'ai bien compris le géologue qui m'expliquait ça. Ah donc oui. Ici, on est encore au bord du Condro, et on se dirait, tiens, c'est croisement de l'Amblève et de l'Ourthe, on est déjà en Ardennes. Non, mais pas non. Encore. Ah ouais. Dès que vous arrivez à Martinrive, de ce côté-ci de l'Amblève, vous êtes en Ardennes. Ah oui. Et Wamont, ici, enfin, quand on descend de Wamont, qu'on va sur Wamont. Ah donc ouais. Arzé, c'est l'Ardennes. Awan, c'est la mi-distance. Et ici, on est toujours au Condro. Ouais, oh, bah on a bien. D'après ce que mes voisins de village me disent, là-bas c'est les autres. Ah ouais, ouais c'est vrai. L'Ourthe, hein, c'est les autres. C'est vrai, ouais. Ah bah voilà. D'abord, on a notre propre église. C'est la bonne preuve. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié votre prénom. Moi c'est Kevin. Enchanté. Très heureux. Bonne photo et merci. Contactez-moi, je vous ça va. Bonne journée. Merci également. Donc voilà, pardonnez-moi pour cette courte pause. Comme vous aurez pu peut-être entendre, j'étais avec un monsieur qui vient de proposer des productions de films, de tournage. Donc voilà. Maintenant dans ma vidéo, je ne sais plus où j'en étais. Ah, la présentation du troisième film du BIF. Alors, la troisième présentation du BIF, c'était, je pense, mon coup de cœur, justement. Du BIF, c'était Cannibal on the Carpet. Donc, en gros, Cannibal et Carpet. Pourquoi Cannibal et Carpet? C'est un petit délire chez eux. Parce que ça regroupait une famille de cannibales qui fait appel à des gens de métier qui mettent des carpettes. Oh. Donc la logique du titre.